Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois de février. Donc j'ai craqué mon script ce mois-ci, mais genre vraiment. J'ai acheté 11 livres. Acheté, parce qu'en général quand les booktubeurs ont beaucoup de livres, c'est parce qu'ils reçoivent des maisons d'édition et tout ça. Moi je les ai achetés. Bon ça va, c'était d'occasion. Mais voilà, j'ai un peu craqué mon script. Ouf, je crois que j'ai déjà dit. Voilà la bête. Donc je vais les prendre dans l'ordre au hasard en fait, dans l'ordre de la pub que j'ai là. Donc c'est parti. Donc pour commencer, ma sœur avait fait une commande Amazon pour s'acheter des trucs et elle m'avait dit que je pouvais en profiter pour acheter des livres qu'elle m'offrait du coup. Mais pas des livres trop chers, donc elle m'a dit pas plus de 10€ par livre. Donc j'en ai pris 3. Trop gentil. Donc j'ai tout d'abord pris Le Livre de ma mère de Albert Cohen, publié aux éditions Folio. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo update lecture parce que je l'ai déjà lu. Non, c'était pas un update lecture, c'était le bilan du mois de février. Donc je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne. Ensuite, j'ai pris Avant toi de Jojo Moyes, publié aux éditions Milady. Donc je voulais le lire avant le live du club mois de lecture là. Et j'ai parlé ici, j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais c'est ma lecture en cours et il est vraiment top pour l'instant. Et ensuite j'ai pris Là où j'irai de Gail Forman, j'ai pas le premier tome parce que je lui avais demandé de prendre les deux en fait, mais elle a complètement oublié l'autre, donc c'est pas grave, j'irai l'acheter toute seule. Ensuite j'ai acheté Confusion de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vous en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo, donc je vous laisse aller voir ça. Et j'ai acheté 5€ d'occasion sur le bon coin. Ensuite j'ai acheté Mon père est un parrain de Gordon Corman, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre que j'ai acheté dans un truc genre, je sais plus si c'était Cash Express ou Easy Cash ou un truc genre, mais je l'ai acheté 2€. Donc il avait l'air cool, il était pas cher, j'avais envie de sortir avec un livre que j'avais pas. Donc voilà, j'en ai profité. Ensuite j'ai acheté 2 livres d'occasion sur Twitter par une fille qui les vendait. Oui. Donc c'est ces deux livres là. Donc il y a Le Livre de Pape de Timothée de Fombelle, publié aux éditions Gallimard. Donc Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots en parle tellement que j'ai vraiment envie de le lire. Donc j'ai trop hâte de le lire. Et l'autre livre c'est Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, publié toujours aux éditions Gallimard. Donc il me semble que c'est aussi Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots qui en parle tout le temps. Donc j'ai trop hâte de le lire. Je sais même pas de quoi il parle en fait. Mais rien que le fait de savoir que pas mal de monde l'a aimé me donne envie de lire. Donc je sais que je vais l'aimer. Ensuite j'ai encore acheté sur le bon coin, donc c'est vraiment une mine d'or ce site. J'ai acheté à une seule personne 2 livres à 15€. Donc La Liste de Sobian Vivian aux éditions Nathan. Et Le Théorème des Catherine par John Green aux éditions Nathan également. Ensuite pour finir j'ai acheté sur Facebook, c'est sur un groupe de livres d'occasion en fait. On revend tous nos livres en particulier et tout ça, donc c'est comme le bon coin en fait. Et donc j'ai acheté 2 livres à 12€ cette fois je crois. Donc j'ai acheté The Book of Ivy écrit par Amy Angel aux éditions Lumen, donc je l'ai également présenté dans ma dernière vidéo parce que je l'ai déjà lu. Et j'ai également acheté Deuil interdit de Michael Connelly, publié aux éditions aux éditions France Loisirs. Donc voilà, je ne sais pas de quoi il parle non plus. Enfin, j'avais regardé le résumé avant de l'acheter, mais je me souviens pas, donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai acheté vraiment pas mal de livres ce mois-ci. Donc je vais me calmer. Sachant que moi je suis pas trop pile à lire de 100 livres et tout ça. J'achète des livres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, blablabla, vous savez tout le truc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !